vous adore, mon Seigneur et mon Dieu. Mon ami, mon aime chéri, on les applaudit bien fort. Maintenant, les chapitres du M16, je vous appelle tous les qui rentrent. On les applaudit bien fort. Et donc, c'est le du M16. Non, j'ai fait. Et c'est le rassuriste qui va rentrer dans le monde. Chapitre Saint-André. Ah.
l'émission. Avec le chapitre de Saint-Victorin, de Saint-Victorin. Laissez de la place, s'il vous plaît. Jusqu'au bout. Raphaël, quelques mots après ces 40 kilomètres. Le chapitre Notre-Dame de la Sainte-Espérance. Caput. C'est parti les amis pour 30 km direction Paris. Voilà, aujourd'hui on est dimanche de Pentecôte. Voilà, après une nuit brève où on s'est couché vers les 10h, 22h et on s'est levé à 5h du matin au Chant du Coq. Ça va bien dormi? Il y a le rang qui est là. Ils sont là tranquilles. Bonjour chers amis pèlerins, je suis votre nouveau régulateur de chapitre. Régulateur sécurité. Sécurité également. Donc je vais vous avoir à l'œil pendant la journée. Vous verrez bien le chapitre, les bannières. Et tout se passe très bien. Voilà. Bonne journée, bon télé à vous. Merci.
Raphaël, un petit mot. Après 40 km et c'est le deuxième jour aujourd'hui, Raphaël. Content d'être arrivé, d'avoir un groupe, on va dire encore quelques rescapés dans le groupe. Donc, voilà, c'était dur avec la chaleur. Moins dur qu'hier. On était plus en sous-bois, donc on a moins souffert du soleil. Voilà. Bon, maintenant c'est direction la messe, voilà, la messe de Pentecôte. Ça. Voilà, c'est ça. Allez, 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 allez
j'avais mal à ce pèlerinage. Alors écoutez, moi j'étais, j'accompagnais le chapitre des handicapés de Sainte-Litvine et j'étais très édifié de les voir traverser la France et surtout ces passages difficiles avec des chariots et des personnes qui sont ou estropiées ou qui ne peuvent pas se déplacer. Et le chapitre est très édifiant vraiment de pénitence et qui offre toute tout cela pour le bon Dieu, pour la gloire de la France. La gloire du bon Dieu, la conversion des âmes, voilà. Je pense qu'ils en ont besoin aussi, voilà, d'avoir cette occasion au moins une fois par an de pouvoir montrer leur foi et en espérant que le bon Dieu puisse aussi donner des grâces à la France par toutes ces pénitences qui ont été offertes durant ce pèlerinage. Voilà. Ben merci mon père. Ben, merci.
moment, la France tout entière est debout avec les enfants. Il est heureux, j'en suis heureux. Il est heureux, j'en suis heureux. L'espérance, fils de ses preux, chantons comme eux, fils de ses preux, chantons comme eux, chantons comme eux, vive le jeune, vive la France. Voilà, très bon. Jean Bosco. Nous serons suivis des Lourdes du chapitre Saint-Michel-Archange. Thank you.
des manières de craignater contre l'évolution. Notre honneur est fidélité, gardons la tradition. Nos alliés ils ont trahi, sali même le sacré. L'événement de votre règne en appelant de toutes nos forces le triomphe du cœur immaculé de Marie, votre et notre mère. Mariam Christi Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Amen. Et in chez nous, soyez reine. C'est Luc Lossilde, ça y est, c'est la fin de la messe, c'est la fin du pèlerinage. Voilà, 3 jours intenses. Tu peux nous dire un petit peu ton ressenti de ce pèlerinage de Pentecôte? Alors moi là je viens depuis Toulouse jusqu'à Chartres depuis samedi. Donc c'était 3 jours vraiment exceptionnels. On a eu un temps vraiment formidable. On était énormément nombreux comme pèlerins. Vraiment 3 journées très agréables qui s'étaient rythmées avec des prières, des chants. Mais en même temps, beaucoup de moments de cohésion, on retrouve énormément d'amis, on fait beaucoup de connaissances. Ça fait du bien de s'isoler du monde comme ça pendant 3 jours et de vivre sa foi. Exactement, tout à fait. Vraiment, ça permet de vraiment se déconnecter du monde. Plus d'internet, plus de télé, plus rien. Tout à fait, voilà. Juste se consacrer au Seigneur et à sa mère. C'est ça, on se ressent vraiment sur l'essentiel qui est Dieu. Donc, si je pouvais... vous encourager à venir l'année prochaine. Ah, vous avez un conseil à donner? Oui, pour les nouveaux pèlerins. Donc c'est de venir 2 fois plus nombreux l'année prochaine. Je vous encourage vraiment, si vous voulez marcher, découvrir la foi, partager avec nous. Les écrans, les vidéos, les smartphones, les tablettes abaissent complètement l'aspiration.
la contemplation de la vérité et l'allégramme du jury. Bien heureux sommes-nous alors ici-bas, si nous avons gardé nos cœurs purs, indemnes de cette pollution intellectuelle, car alors nous savons que mon Dieu. Bonjour. Bonjour. Ça y est, on a la fête. Déjà des regrets? Bah déjà vivant l'an prochain. Ah oui. Ah ça vous a pas fait peur ces 100 km alors hein? Bah il y a des moments où on flanche un peu, mais c'est quand on arrive à Paris et qu'on voit cette foule et cette ferveur, toute la douleur s'en va. Chacun je pense vient avec ses intentions, porte dans son cœur des demandes qu'il a à faire pour lui, pour ses proches. Et pour son salut, puisque c'est un pèlerinage essentiellement spirituel. Et donc derrière les souffrances physiques, eh bien ce sont les grâces du bon Dieu que nous sollicitons. Donc on compte sur vous l'année prochaine. Ah, tout à fait. Ben, merci. Thank you.